Galilée, cité à Korogo, à Korogo, dans le quartier Petit Paris, ce collège est là pour vous aider. Faisant partie intégrante des top 5 des établissements de la région du Poro, le collège privé Galiléo fait la promotion de la culture de l'excellence. Situé au quartier Petit Paris, au Siéné de Korogo, à 100 mètres du groupe scolaire au Siéné, le collège privé Galiléo a pour credo la rigueur, le travail et la réussite, nous dit monsieur le fondateur du dit établissement, monsieur Soro Nicolona Oumar. Je suis Soro Nicolona Oumar, professeur DPS au lycée Oufouette Boigny de Korogo. Par ailleurs, gérant fondateur des établissements Galiléo à Korogo. Je suis entrepreneur. Nous sommes situés à Ouchéné, précisément au carrefour Galiléo, comme on l'appelle toujours. Voilà, et lorsque vous allez au carrefour Galiléo, vous allez voir le bitume qui serpente là dans le quartier pour aller tout juste devant le collège pour Galiléo à votre droite. Nous sommes un établissement qui respecte les normes étatiques. Alors nous avons ici, au niveau de l'enseignement général, le premier cycle et le second cycle. À côté de cela, nous venons d'acquérir l'agrément de l'enseignement professionnel qui nous donne quitus d'enseigner le BT première année en série G1 et G2. Il faut dire que le collège Galiléo existe depuis 5 ans. Nous avons commencé l'année scolaire 2018-2019. Alors il faut dire que nous, au niveau du comité de gestion, nous sommes composés d'enseignants. Et comme c'est notre métier, nous savons que pour mieux élaborer un système pédagogique, il va falloir d'abord connaître le niveau réel des apprenants. C'est ainsi que nous avons initié ce qu'on appelle un test diagnostique à tous les niveaux, qui nous permettra de, pas d'exclure les enfants, mais c'est plutôt de connaître leurs réelles difficultés pour pouvoir quand même programmer la progression qui est à notre niveau, l'essence même de l'enseignement. Parce que l'enseignement n'est pas fait en fonction des lacunes ou du niveau intellectuel des enfants. Il va sans dire que vous serez un maître dictateur parce que les enfants ne seront pas associés carrément à l'enseignement. Et notre rôle ici, c'est d'associer les enfants à l'enseignement pour que ceux-ci puissent être à l'aise et se retrouver, ce qui va favoriser dans un moyen terme de bons résultats. Et comme je le disais tantôt, étant constitué d'enseignants, nous sommes des experts entre griffes de l'éducation. Et nous savons que lorsqu'un parent choisit d'emmener son enfant à Galiléo, ça veut dire que cet parent-là a parié sur l'avenir de son enfant. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir de pouvoir quand même réussir le challenge de ce que j'appelle toujours la réussite sociale. Ça veut dire quoi? Que l'enfant doit avoir d'abord une réussite éducationnelle basée sur l'école et également une réussite éducationnelle basée sur la profession. Ils sont là, ils ont peut-être 10 ou 15 ans, ils ont des talents cachés. Alors nous faisons l'effort de déceler ces talents-là à partir de la 6e et de pouvoir les développer au profit d'abord du collège et pourquoi pas après l'enfant puisse aller à l'INSAC et autres ou bien pouvoir même vivre même sur ce talent qu'il a déjà. Donc nous allons encadrer cet enfant dans ce talent-là afin qu'il soit quelqu'un d'aimé. Parce qu'on n'est pas là pour dire que tu as réussi forcément parce que tu as le bac. Tu as réussi, tu as le bac. Est-ce que tu arrives à en faire quelque chose pour pouvoir te nourrir? Voici un peu notre objectif. Donc, un parent qui choisit Galiléo, c'est-à-dire qu'il choisit de confier ses enfants ou son enfant à des spécialistes de l'éducation en Côte d'Ivoire. C'est voilà pourquoi vous allez voir un peu chez nous, il y a des clubs cuisine, il y a des clubs coiffure, il y a des clubs musique, il y a des clubs de presse. Tout ça pour connaître un peu ce que les enfants ont dans leur ventre. Et là, maintenant, on va essayer avec notre équipe pédagogique de les encadrer. Et par la suite, vous allez voir que ces enfants vont réussir. Je prends l'exemple simple de Didier Bleu, que vous connaissez très bien. Didier Bleu, il était pratiquement au club presse à l'école, à Benjerville, je pense bien.
Et c'est au fur et à mesure qu'il a commencé maintenant à présenter tout ce qu'il y a comme événement à l'école, tout ce qui est événementiel. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Donc tout ça apprend à l'école en réalité. En moins de 5 ans, Galileo s'est hissé dans le top 5 des meilleures écoles de Korogo. Tout le monde en est témoin. Là, mais vous dites que nous avons toujours été au-dessus de la moyenne nationale. C'est ce que je peux vous dire. Le collège Galileo reçoit les affaires de l'État. Nous sommes au diapason étatique. Tout ce que l'État a demandé, nous avons cherché à quand même fournir ce dossier-là afin de pouvoir bénéficier de toutes les commodités que l'État octroie au statut d'école privée. Donc nous recevons effectivement les affaires de l'État en 6e et en 2e. Aussi, les affaires de l'État dans l'enseignement professionnel, c'est-à-dire en BT. L'appel est lancé à l'endroit de tous les parents qui souhaiteraient confier leurs enfants aux spécialistes de l'enseignement. Je vous fais une confidence. Nous avions notre première année en notre sein un enfant qui était reconnu à OCN ici comme un petit consommateur de drogue. Et nous avons été quand même alertés par ses camarades et par la suite, nous ne l'avons pas vidé de l'école. Nous avons plutôt pris cet enfant-là à nos côtés. Moi-même, je l'ai reçu chez moi à la maison, on a échangé, on a dîné et je lui ai donné mes anciens vêtements. Je lui ai dit que je voudrais qu'il devienne le délégué de l'école. Et voilà comment je lui confiais les tâches des élèves du conseil scolaire. Et après, j'ai commencé à le coacher, ensemble avec l'équipe que j'ai derrière moi, à le coacher. Aujourd'hui, il est arrivé en terminale. Il a même eu le bac. Et son père nous a interpellé, mais comment vous avez fait pour que cet enfant-là change aussi radicalement? Là, on dit non. Quand l'enfant commence à fumer la drogue, il faut d'abord circonscrire ses amis. Il faut savoir ce qui l'a poussé à aller vers la drogue et qu'est-ce qu'il recherche. On a trouvé que cet enfant avait besoin d'affection. Le fait qu'il soit proche de l'équipe d'encadrement, il s'est senti considéré et utile. Et même quand il arrêtait la drogue, il continuait la cigarette. Mais quand il nous voyait, il cachait la cigarette. Ça, c'est déjà un premier pas. Voici un peu des atouts que nous avons chez nous. Nous sommes patients et nous cherchons à comprendre carrément l'enfant dans son milieu intersecte. Nous allons jusqu'à la maison pour savoir comment l'enfant bosse à la maison, comment est-ce que son père, quelle vision son père a pour lui, est-ce que l'enfant aussi épouse la même vision que le père. Parce que souvent, l'enfant veut devenir gendarme et le père voudrait qu'il devienne menuisier. Vous voyez que ça, c'est diamétralement opposé. Donc nous essayons en ce moment de concilier les deux bords pour qu'on puisse quand même faire ce que l'enfant souhaite. C'est vraiment le souhait de tous les parents d'avoir une école comme Galileo auprès de ces personnes-là. Donc nous sommes ouverts à accueillir tout ce qui est parents qui souhaitent en tout cas donner un avenir certain à leurs enfants. Notre contact, c'est le 07 09 09 07 01 ou le 05 46 13 09 25. Notre mot de fin va à l'endroit de tous les parents d'élèves qui ne cessent de se battre nuit et jour pour donner un avenir meilleur à leurs enfants. Nous souhaiterons dire à ces parents-là d'être tranquilles. Nous savons ce qu'ils endurent et nous ferons l'effort d'être à la hauteur de leurs attentes à travers notre programme éducatif, à travers nos coachings, à travers tout ce qu'on peut faire pour que les enfants puissent réussir. Bonne rentrée scolaire à tous et à toutes. À la suite du fondateur, M. Siloué Yaraba, sous-directeur, nous parle de son établissement, le collège privé Galileo. Siloué Yaraba, l'état civil, sous-directeur sur le collège privé Galileo, depuis il y a 2 ans. Et je suis dans l'école depuis 2012, depuis sa date de création. À l'époque, j'étais enseignant de français. Et il y a depuis 2 ans, donc, j'occupe la fonction de sous-directeur en charge de la pédagogie. Là, je vais sur l'activité, n'est-ce pas, des enseignants. Alors, on me demandera pourquoi est-ce que je suis depuis lors à Galileo. C'est parce que j'aime vraiment le travail de cette école. Ici, rien ne se fait dans le hasard. Ici, on n'improvise pas. C'est la raison pour laquelle il y a ce sérieux. Et puis, depuis lors, les résultats de fin d'année sont tels qu'on ne serait parti d'ici. Voilà. C'est vraiment les raisons fondamentales qui me tiennent ici. Le travail bien fait, la rigueur et l'engagement de chaque personne. Les parents, je voudrais dire, bon, déjà que nous sommes déjà engagés, à l'avenir, aucune hésitation. Maintenant, pour ceux qui ont leurs enfants derrière là, qui n'aient pas de crainte, les enfants seront bien traités.
les enfants sont en de bonnes mains. Voilà. Pour preuve, les classes de 6e, 3e et terminale, les cours vont jusqu'à 13 heures. Et quand même, l'enfant a des heures creuses, ces heures creuses sont comblées par les activités que nous imposons à ces derniers-là. C'est pourquoi vous verrez que nos activités, nos résultats ont toujours été intéressants. Pour preuve, hein, le meilleur élève de la série A1 à Korogo, il vient d'ici. Madame Tiemeleu Akissi-Victoire, professeure d'anglais dans le dit établissement, nous donne ses impressions. Je suis Tiemeleu Akissi-Victoire, professeure d'anglais ici au collège Galiléo. C'est ma première année d'enseigner ici, mais je peux déjà vous dire que le collège Galiléo est une excellente école. C'est un bon établissement, là où il y a la formation, là où les élèves arrivent à acquérir le savoir total. Et puis il y a déjà des enseignants sur place vraiment formés qui peuvent donner un enseignement de qualité à tout élève. Donc le collège Galiléo reçoit tout le monde. Ça prend en compte les élèves de la 6e à la terminale. Il y a aussi le professionnel qui est déjà sur place. Donc n'hésitez pas à venir à Galiléo faire les inscriptions de vos enfants. Vous n'allez pas le regretter. Mademoiselle Kone Ramatou Kevin, élève en terminale, nous explique les raisons de son inscription au collège privé Galiléo, tout en exprimant sa fierté de faire partir des effectifs de cette école. Je me nomme Kone Ramatou Kevin, je suis en classe de terminale D au collège privé Galiléo. J'ai décidé avec mes parents de m'inscrire dans cette école parce qu'on a appris que l'école est une école d'excellence. Le cadre est adéquat pour mieux apprendre. Il faut noter qu'au collège privé Galiléo, nos enfants ont droit à beaucoup d'avantages, tels qu'une salle d'informatique, une bibliothèque, des clubs de cuisine, de couture, de presse, de karaté, d'entrepreneuriat, pour ne citer que ceux-là. Alors, chers parents de Korogo et environ, n'hésitez plus à venir confier l'avenir de vos enfants à des spécialistes. Infoline 07 09 09 07 01 05 46 13 09 25. Collège privé Galiléo, c'est le travail, la rigueur et le succès. Paris.